Il y a un mec qui vient et il est bruyant. Il est obligé de faire du bruit là où il est. Et ça c'est bien, ça c'est pas bien, il dit une remarque à chacun. Et toi t'es de côté, tu te dis, écoute, première vue, ce mec, il faut le calmer. Qu'est-ce qu'il fout là? Qu'est-ce qu'il fait quoi? Il faut le calmer. Et après, toi, tu te remets en toi-même, tu te dis, mais attends. Je le connais. Il doit se passer quelque chose avec lui. Il doit être pas bien dans sa peau. Et comme ça fait trop longtemps, c'est que apparemment, il se regarde pas comme il faut. Il se regarde nul, qu'on le considère pas, qu'on le voit pas. Alors il doit faire certaines choses. Alors moi, au lieu de venir et de lui dire calme-toi, je vais essayer de comprendre le yin, je vais essayer de faire ce qu'il a besoin. Alors je vais venir, je vais aller de côté, je vais dire, waouh, quelle figure t'as aujourd'hui, t'es rayonnant. Je t'ai vu, tu m'as donné, tu vas lui faire un choc, que tout ce que tu voulais lui donner des critiques pour lui construire, toutes les critiques que tu lui aurais données, tu lui aurais éclaté. Par contre, le fait que tu lui as donné des couverts, des points positifs que lui-même il ne voyait pas, ça lui a donné un espoir de peut-être ma vie est meilleure, peut-être j'ai pas besoin de faire tout ça pour ça. Et d'un coup tu changes. C'est pour ça que Rabbeinu dit, moi je mise dans le positif plus que dans la critique, dans le négatif.